J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Movie Star Planet, puisque c'est quelque chose qui vous a vraiment plu. J'ai vu que vous aviez laissé beaucoup de commentaires dans la première vidéo, donc j'ai décidé de continuer. Et je vous ai écouté, puisque vous avez été beaucoup à me dire que comme j'avais pris VIP, je crois que j'avais pris quelque chose comme VIP 3 jours pour tester, pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait le VIP par rapport au non-VIP. Et donc, je me suis relookée, donc on va regarder mes looks ensemble, on va regarder un petit peu vos cadeaux, ce que vous m'avez offert, et puis vous allez me dire si c'est bon, je suis plus jolie qu'avant, parce qu'apparemment ma tête était très moche, voilà. Donc voilà, j'ai changé un petit peu, en plus maintenant je suis sur un petit nuage flottant, j'ai vu que je pouvais prendre plusieurs positions, j'ai gardé les cheveux sur le côté parce que c'est vrai que moi j'adore me les mettre comme ça en fait, mes cheveux, et donc pour moi c'est une coiffure qui me correspond pas mal, mais il y en a d'autres qui me plaisent énormément, et puis j'ai cette petite teuf là donc... J'ai décidé d'adopter un animal, mais pour l'instant il se montre pas trop. Je crois qu'il faut que je l'amène dans ma chambre et que je le nourrisse, donc il va falloir attendre demain, puisque là je tourne la vidéo, il est 1h du matin. Donc forcément, à 1h du matin, on peut pas accéder à sa chambre, je suis censée dormir en fait, je dors là. Alors, je vais sur mon profil, donc là c'est vrai que j'ai pu amener quelques petites choses... j'ai amélioré, alors là vous voyez pas du coup, mais c'est vrai que j'ai essayé d'améliorer un petit peu les pièces que j'avais avec ce que vous m'avez offert. Et puis là on va ouvrir quelques petits cadeaux ensemble. Alors merci à Mimi du 1-2-3 qui du coup a toute sa page là, qui est remplie. Toute la page, elle m'a offert 6 cadeaux, waouh, merci beaucoup à toi. Alors nous avons un petit t-shirt Happy Birthday, on a du breakdance, une petite robe rose, et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? C'est la surprise. Alors un petit haut avec un petit cœur et hold MSP, un autre petit haut rose avec écrit, je crois que c'est célébrité, quelque chose comme ça, mais là c'est vrai que rose sur violet je voyais pas trop, et un petit bunny time, ça c'est vrai que j'en ai vu beaucoup d'entre vous qui avaient des bunny time, et c'est super mignon, ces sortes de petites oreilles avec le nez. Alors ici nous avons une border lamp, merci à Anou, là on a Violetta aussi qui nous va faire un petit cadeau, alors qu'est-ce que c'est? Ah, oh, j'aime bien, sympa le leggings, alors, avec des petits caca roses. Je sais pas si je vais le mettre, je sais pas. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est à chaque fois que vous m'offrez des petites choses, merci beaucoup aussi à toi Mélodie, c'est d'essayer vraiment de faire des looks avec chacune des tenues. J'en ai préparé quelques-uns qu'on va regarder ensemble. Ah, la belle couronne, merci Coralie à toi. Et enfin, la parisienne qui m'a mis un beau « Je t'adore » avec Kiss Kiss et Loose. Merci les filles, ça fait super plaisir. On va aller regarder ça de plus près. Je vais aller regarder donc au niveau des affaires. Comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai reçu. Et moi je vais vous montrer mes looks. Alors aujourd'hui j'ai décidé de garder donc la tenue sur le côté avec mes petites oreilles de chaton. J'ai mis un short avec les chaussettes qui remontent jusqu'aux genoux et des petits pandas. La fameuse licorne hein, qui représente quand même bien ma chaîne. Et puis la paire de baskets, vous le voyez peut-être pas. On va regarder dans les paires de chaussures, mais c'est une paire de baskets où de ce que j'ai vu, il y a des petits poneys devant qui sont juste adorables. Comme ça, j'en profite pour vous montrer un petit peu les paires de chaussures que j'ai reçues. Et voilà, c'est des petits poneys roses et ce genre de baskets, j'adore. Donc après, il y a quelques petites chaussures à talons et vous avez été nombreux à m'envoyer vos chaussons de Noël. Donc je ne manque plus de chaussons, c'est bon, vous inquiétez pas, jusqu'à la fin de l'année, j'ai des chaussettes et des chaussons de Noël, il n'y a aucun souci. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu les chaussures que j'ai. Au niveau des looks, j'en ai préparé plusieurs. J'ai essayé de leur donner des noms un petit peu à thème en fonction de ce que j'avais fait. Et donc on commence avec notre petite Lily violette, donc Lily pour licorne, avec ses cheveux que j'adore, cette couleur un petit peu arc-en-ciel mais pastel. J'ai mis le collier et le licorne avec la petite corne, sachant que j'ai la corne en rose ou en violet et les deux vont très bien ensemble. Les petites chaussures moumoutes et un jean assez simple. Ensuite, je suis partie sur un look un peu plus angélique, que j'ai donc appelé Angel, avec une paire d'ailes d'ange, une grande robe blanche et les cheveux bleus un petit peu sur le côté. Alors après, je sais pas encore comment je peux faire pour changer de visage ou pour changer le maquillage à chaque fois que je vais faire un look. J'essaierai de le faire après pour que vraiment chaque look ait son maquillage, son rouge à lèvres, puisque là c'est vrai que je suis restée sur quelque chose de neutre. J'ai plus fait la mannequin, on va dire, cheveux, robe, chaussures, que le maquillage qui va avec, parce que sinon j'aurais changé le maquillage à chaque fois. Nous avons ensuite notre petite fleur qui est sur un thème rose, donc blonde avec le bout des mèches roses, ça c'est quelque chose que je rêve de me faire. Et les roses qui sont tout en haut avec une grande robe de princesse et des petites chaussures de ballerine. Un style un petit peu plus dark ici. Un style un petit peu plus dark, et là qu'est-ce qu'ils me disent?
un bounty à manger ce look. On essaie de leur apprendre à manger des fruits, mais ça ne marche pas très bien. D'accord, je ne savais pas que les bounties pouvaient manger des looks. Je pense que c'est quand ça bug un petit peu. En tout cas, c'était le seul look dark que j'ai fait avec une brune. Et on l'a pas, on a des petites étoiles à la place. Merci beaucoup, Movistar. Et donc, le dernier look que j'ai fait aujourd'hui, c'était celui de Rose, avec cette petite casquette, les cheveux très longs, et un pantalon avec des petites roses et les chaussures à talons. Et ensuite, c'est les premiers looks que j'ai fait en arrivant aussi, grâce à vous, le petit look papillon avec la robe. Je l'ai appelé comme ça, bah, comme vous pouvez le voir, j'avais mis un petit papillon dans les cheveux. Bon, et après, si vous voulez voir les autres, vous pouvez aller directement sur ma page, vous les verrez. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu mes accessoires. Donc là, au niveau des tenues, alors cette robe, je vais vous montrer un petit peu mes favoris. Hein, on va faire mes favoris du moment. Cette robe qui est vraiment juste magnifique, c'est la robe d'Harley Quinn dans le film Suicide Squad. Quand elle est en boîte avec le Joker, ou du moins quand elle est en train de danser, elle a énormément de bijoux à ce moment-là. Vous avez peut-être vu des photos. Et elle a cette robe donc que je trouve juste sublime. Ce petit haut aussi à capuche avec la petite queue de chat, je l'ai en deux couleurs. Celui-là je le trouve juste adorable. Le petit haut avec le poney, avec notre petit poney licorne, très très mignon aussi. Celui-ci que j'avais déjà mis dans un look forcément, la petite licorne. Le petit chaton, des choses un petit peu plus classiques comme cette robe que je trouve aussi vraiment adorable. Des hauts comme ça qui me font un petit peu penser à Vampirella, pour ceux qui ont vu mon let's play des Sims, Vampirella. Ça me fait vraiment penser à son look à elle. Des petites choses un petit peu plus romantiques, cette robe et ce petit haut que je trouve juste adorable. Ou ce petit haut nuage qui irait très bien pour un petit coin détente à la maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a ce style là qui fait un petit peu plus écolier, alors faut le voir porter avec une jupe. On a des robes, alors cette robe là très sympa aussi pour aller en soirée et pour être un petit peu flashy. Je la trouve très mignonne et je trouve qu'elle va bien à ma petite movie. Robe d'été, très mignonne aussi, mais c'est vrai que comme j'ai la peau très blanche et que j'ai recopié ma peau très blanche dans le jeu, le blanc c'est pas la couleur qui me va le mieux. La robe Chachaminou, juste adorable, vraiment juste adorable cette robe. La fameuse veste d'Harley Quinn, la veste incontournable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, voilà, vous vous êtes lâchés pour Noël. Ce petit haut arc-en-ciel que je trouve très très mignon et ce petit haut Pikachu que j'ai mis dans un de mes looks. Ce haut, je sais absolument pas ce que c'est une sorte d'espèce de gros manteau avec des oreilles d'ours, mais ça c'est le truc. Je suis vraiment capable de le mettre en vrai. Je trouve ça adorable, c'est vraiment trop mignon. Ah, j'ai vu passer une robe aussi qui était très jolie. Cette robe là aussi très très mignonne. Celle-ci que j'ai mis dans mon look dark du coup que vous avez pas pu voir tout à l'heure, mais que je trouve très sympa et qui fait, voilà, qui donne son petit côté Halloween, mais en même temps pas trop en fonction d'avec quoi on le met. Je trouve que c'est pas choquant. Ce petit haut aussi très mignon, mais faut savoir avec quoi le mettre. Je verrais plutôt un taille haute, histoire de pas se retrouver le bidon à l'air quand même. Ce genre de petit haut de soirée très mignon. Mon fameux haut licorne que j'ai mis aujourd'hui. Je vais essayer de changer un petit peu ma MSP tous les jours. Comme ça, essayer de proposer tous les jours un nouveau look avec elle. Et puis d'essayer d'en créer en fonction de vos petits cadeaux. Le petit haut poney que j'avais mis donc hier. Vous en avez mis plein, des haut licornes. Là, j'en découvre encore avec vous parce que j'ai pas eu le temps de tout regarder. C'est adorable. Cette robe-là, donc, que j'avais mis aussi tout à l'heure. Moi, je suis très robe, très grande robe, j'adore ça. Donc, très très mignon. Encore une petite licorne. C'est vrai que je me suis baladée un petit peu sur le jeu et j'ai vu qu'il y avait énormément d'objets, énormément de looks différents. Vraiment, on peut vraiment personnaliser de manière très très précise son personnage et c'est quasiment, je pense, impossible, sauf peut-être dans les premiers niveaux, d'avoir des movie stars qui se ressemblent. Je pense que ça va être compliqué. Mais c'est bien! C'est bien que le jeu se soit vraiment diversifié et fait autant de looks et soit encore en train de créer parce que là, j'ai vu que pour pas qu'il y avait eu des nouvelles choses, c'est génial. Waouh! Alors ça pète! On a une robe ultra ultra flashy bleue là, et une deuxième ici. Ça c'est vraiment pour les soirées particulières. Après il y a plein de petits hauts aussi dans ce style là qui sont très très mignons, qu'on peut mettre avec des pantalons et qui seront adorables. C'est vrai que j'étais un petit peu en train de regarder les robes. Oh, celle-ci très très jolie aussi que j'ai vue aujourd'hui, celle-ci pareil. Voilà, c'est vrai que je passe un petit peu là, je vous montre, et puis après ce genre là. Mais on va vraiment vraiment avoir de quoi faire, c'est adorable. Et puis après des petits leggings. Des petits hauts très très mignons, voilà, on peut vraiment...
vraiment ça sortir. Et au niveau des coupes de cheveux, je voulais vous montrer aussi parce que c'est vrai que j'en ai eu pas mal. Et je voulais aussi vous dire que je pense que j'allais organiser des jeux concours. Alors je sais pas encore comment je vais organiser ça, mais ce que je voudrais c'est que tous les objets que j'ai en double et qui donc ne me servent pas, je puisse vous les faire gagner, vous les offrir, vous les envoyer pour vous remercier tout simplement, puisque c'est vrai que moi c'est pas pour vous remercier, parce que ça me fait plaisir de partager ça, et de toute façon ça ne me sert à rien d'avoir trois fois la même coupe de cheveux ou trois fois la même paire de chaussures. Donc vraiment merci pour les cadeaux que vous m'offrez, mais du coup je vais repartager les choses que j'ai en double ou en triple. Magnifique cette coiffure, électrisant. Ah, je suis chauve. J'en profite pour en essayer quelques-unes, comme ça vous voyez ce que ça donne. Mais ça change tellement le look, la coupe de cheveux, c'est impressionnant. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Oh, celle-là, je l'adore. La bleue, comme ça, je la trouve sublime. Celle-ci est sympa aussi. Il y en a vraiment des super chouettes. Et vous avez été, en plus, plusieurs à me donner cette espèce de blond dégradé rose. Et ça, c'est ce que je rêve de faire sur mes cheveux. Ici, le petit bonnet chaton, très très mignon aussi. Et puis plein de couleurs, voilà, du blanc, très joli. Du rose poudré, très joli. Après, je vous avoue que moi, je vais forcément moins me mettre en brune. Je vais plus utiliser du coup ces couleurs là pour vous faire des looks particuliers avec des couleurs brunes. Mais ma movie star sera plutôt en rose ou en blond, parce que là, le nombre de coiffures aussi qu'il y a, c'est impressionnant dans le jeu. Sympa aussi avec les racines roses, j'avais pas vu encore. Il va y avoir de quoi faire vraiment vraiment beaucoup de looks, donc je vais bien m'amuser je pense pendant les jours à venir à faire tout ça. Ça va être chouette, et puis je vous présenterai aussi ma maison, puisque pour l'instant j'ai pas encore... J'ai commencé à aménager quelques meubles, mais j'ai pas encore tout fait, et forcément cette vidéo, soit on la fera en live ensemble, soit je la ferai en vidéo, mais comme ça je pourrai vous montrer pareil un petit peu les objets que j'ai. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai toujours mon petit cochon tirelire qui est là, si jamais j'ai besoin. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis allée dans Club. Voilà, donc apparemment, on peut créer des groupes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je nous ai créé un petit groupe. Alors, du coup, il est là. Voilà, avec le petit chien-chien. C'est Néo. C'est un petit groupe, voilà, où j'ai commencé à mettre des choses. Bah voilà, il y a déjà un membre qui m'a rejoint. Donc voilà, le club s'appelle Devovo Clubs. C'est un petit chien qui le représente. Et moi, je vais aller me renseigner ce soir sur les tutos pour voir comment bien mener son club et comment faire. Donc comme ça, ceux qui veulent rejoindre le club pourront le faire. Voilà, c'est totalement ouvert à tout le monde. Et moi, je vais essayer d'aménager et de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible pour tout le monde. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, ou des choses que je voulais que je vous montre dans le jeu, ou que vous allez m'apprendre et ensuite que je vais faire dans le jeu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, de toute façon, je l'ai lu au maximum, puisque ce jeu, c'est vous qui me l'avez fait découvrir, donc je le découvre... je le découvre totalement, au final. Et je m'y prends au jeu, j'aime bien me relooker. Donc je vous fais plein plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. I could stay like this, forever follow.